Allez, 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 bravo. Allez, 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 mon frère. Ouais, salut les gens, j'espère que ça va. Bah voilà, là je viens de passer le premier ravito. Et quoi, ça doit faire 7 km que je cours. Il fait une chaleur à tomber par terre. C'est un truc de ouf, mais c'est super beau. Donc je vais essayer de filmer le plus possible pour vous faire vivre la course de l'intérieur. Comme d'hab, le lapin Rasta il est là. Et voilà, j'ai des gens qui sont devant moi, mais bon, tranquille, ça va le faire, ça va être sympa. Donc voilà. Moi je vous dis à tout à l'heure. J'ai essayé de faire une petite vidéo après chaque ravito pour vous faire vivre la course de l'intérieur. Ciao ciao. Allez gens, c'est de nouveau moi. Là je suis avec Anne-Marie. Oh, oh, oh. Oh. Where are you, Martin? Wow. On va attendre Martin vite fait. Ouais. J'attends Martin pour faire une petite vidéo avec lui. Ouais. Ils sont sur le 130. Oh Martin. Yeah. Give a smile. Yes. Yeah. It's good. What's up? Bye bye bye. Bye bye. Te sei veloce. Okay. Te sei più veloce. No troubles? How long you for the next station? 1 kilometer, 2 kilometers. I don't remember. I think 10. I think 10. I don't remember. You must go out. Wo ist die Naomi? Da drinnen. Naomi. Hat das einen Rucksack drinnen? Yeah. Bon, les gens, c'est trop cool. J'ai rencontré les Italiens qui sont sur les 130. Comme on est tous sur la même trace, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vais avancer et puis on verra bien. À tout à l'heure. Pour ceux qui demanderaient, on a fait 900 de D+, 2h10 à peu près. Ouais. Presque 14 km à peu près. Voilà, à tout à l'heure. Salut les gens. Bon bah je viens d'arriver au sommet du Piton Bouillante. Donc voilà, là je vais redescendre sur les mamelles. Donc voilà. Ça va pour l'instant, je suis au top. J'espère que ça va continuer. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Vas-y, big up les gens. Voilà, je descends. Je descends par là. Hop, par là. À brûler les pattes pendant quelques bornes. Donc voilà. À tout à l'heure les gens. Salut les gens. Bon ben, je viens de quitter le ravito après les mamelles là. Donc comme prévu, je me suis pris une tempête. Enfin les mecs qui étaient avec moi. C'était beaucoup plus rapide. Moi je vais y aller à mon rythme. L'objectif, terminé. Et pouvoir courir. L'année dernière j'avais pas pu courir. Là je vais vraiment m'économiser pour pouvoir courir. Bon si vous pouvez imaginer le truc. Bon on va dire j'ai fait à peu près une vingtaine de kilomètres pour 5h20. Voilà quoi, c'était dur. C'était vachement dur. Dans 5 minutes là, même pas. Allez, à tout à l'heure. Salut les gens, c'est de nouveau moi. Bon là je suis en mode ravito naturel. J'ai trouvé une mangue. Une mangue fil, ça se rappelle je crois. Pour reprendre un peu de sucre. C'est super agréable. C'est l'avantage de courir dans la nature. Allez, à tout à l'heure. Bon. Salut les gens. Bon, je viens de passer par le...
par le gîte Beau Séjour qui a accueilli un petit ravito vite fait en haut de Tommy, donc dans la commune de Pointe-Noire. Donc là que j'ai refroidi mes jambes avec des glaçons, on est à peu près au 35e voire 36e kilomètre. Donc là je vais descendre tout doucement en direction de Pointe-Noire. Allez, à plus tard. Allez gens. Bon, là je m'attaque à du lourd. La pente elle est hardcore, c'est une pente en béton. Elle fait plusieurs kilomètres. Ça va piquer. Ça va littéralement piquer. Donc je fais un débrief quand je suis arrivé en haut. C'est là. Je vais me faire charcuter la gueule. Allez, bisous. Bon, ça y est, on est quoi? On est à DA déjà? Non, pas encore. On est où là? On est encore à Pointe-Noire? Oui. Ok, bah c'est bon alors. Donc on est encore à Pointe-Noire. Et puis, on va rejoindre bientôt Baillargeant, je pense. On est à Baillargeant. Baillargeant, ok, donc DA. DA, bientôt. Ça va piquer. On va voir ce que ça va donner. Donc là, il y a tout le monde qui est là. Petit ravito. Tranquille, tranquille. Bon, je sais pas combien ça fait d'heures de course là. Ouais, c'est un peu plus de 10 heures. 10 heures et demie, je pense. Presque 11 heures de course. Donc il reste du costaud. Donc à plus tard. Ouais. Ouais. Ça parle de récup les gens. C'est super agréable. On est dans le lit de la rivière là. Ça fait 3-4 minutes. Ouais. Bon les gens. On est pas mal, on est à presque 50 bornes là. Il nous reste encore une grosse difficulté et puis on va y aller. Ouais, ça va Fred. Il reste 20 bornes et je suis démonté. Hein, tu disais ? Henri, t'as rajouté. Mais t'as pas rajouté. Ouais, je suis. Hein ? Ouais. C'est lourd. Non, mais c'est bon là. Je fais juste une petite vidéo. C'est pour faire quoi ? Allez, bon, il reste 20 km. Je suis mort dans le film. Allez, à plus tard. Re les gens. Bon, bah, j'ai passé la nuit. Je suis avec Fred. C'est quoi, c'est Green Runner, c'est ça? C'est Green Runner? L'association, c'est Green Runner? Run Green. Ok. Voilà Run Green. Donc voilà. On a traîné ensemble depuis Sofia, c'est ça? Ouais, on a commencé presque ensemble en fait. Donc voilà, on a, ouais, ça fait un bon moment là. Guadaron Green, allez voir sur internet, sur Facebook. Voilà, ouais, très agréable. Bon, il est presque 6h, il est 5h30 exactement. Et bah, ça va se terminer, hein. Bah, ça va faire un peu plus de 21h de course. Donc ça va être cool. Bon allez, bisous.